On se retrouve pour de nouvelles aventures. On est. Attends, je me trompe pas cette fois. On est vendredi 21 août. C'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que moi, les dates. Et il va être 7h30. Et donc, on vous emmène avec nous pour passer 2 jours, cette fois, à Disney. Mais bon, ça sera pas 2 jours entiers. Hein, Bah, si tu les combines, ça fera peut-être une journée complète. Ouais, c'est ça. On va profiter aussi de l'hôtel à la Val d'Europe, qu'on n'a jamais fait. Faut le faire quand même. Et voilà. J'espère qu'on aura 2 beaux jours parce que là il pleut. Mais ça va du côté de la France. Il fait beau, c'est toujours. Par contre, on ne logera pas dans un hôtel Disney. Ah non. On va loger vraiment pas loin. Et ce sera l'occasion de tester un petit peu. On vous montrera un nouvel hôtel. Ouais. Enfin, le nouvel hôtel qu'on va tester. Ouais. Parce que les 2 hôtels Disney dans les 3 là qui étaient ouverts, bon, et le 4 si on compte Village Nature, c'est vraiment hors de prix en fait, même en nuit sèche avec les 50% du pass, hors de prix alors que c'est vide, je comprends pas ça. Bon, peu importe, donc beaucoup trop cher. Alors on va voir ailleurs cette fois. Du coup, on vous montrera cet hôtel. Voilà. Ah, c'est chez Si en fait, non? C'est chez Si? C'est chez Si, oui. Donc voilà. Donc vraiment à côté du parc. Ah, y a 5 minutes, une petite découverte. Allez, alors on se retrouve dans le parc. Tout simplement. C'est sûr, ah non, pour le petit ça. Déjeuner. Ouais, c'est vrai, à chaque fois je dis ça. On se retrouve dans le parc. Alors, 5 minutes après. Ouais, c'est vrai. Non, non. Le petit déjeuner chez Paul. C'est ça ou c'est pas ça, chez Paul. Voilà. À tout à l'heure. On va changer. Croissant, jambon, fromage, du salé. Et toi, t'as pris quoi? Attends, croissant aux amandes. Ah oui, pas au chocolat aux amandes. Voilà, tout bête. J'aime les amandes. Et il nous reste encore 1h30 de route. Ouais, 1h30. Bonne heure, enfin, t'as vu. Ouais. Bon, on sera là pour 10h, je pense. Écoutez, il n'y a pas grand monde. Il est 9h54. C'est calme. Il y a juste une file là. C'est tout. Parce qu'ils sont tous déjà au parc. On est en retard. C'est surtout pour ça. Et demain, ça va être pire, je pense. Quoique non, demain parce qu'on vient pour les EMH demain, donc ouais, on aura peut-être pas grand monde, hein. Si, mais moi pas plus les EMH. Si on n'est pas en retard. Ça c'est autre chose. Allez, sors ta tête, on se ressemble pas trop. Allez. Isa va-t-elle être acceptée? Ça va, elle a accepté. 10 minutes, ça y est. On voit qu'il y avait personne derrière. Ah. Oh. Si t'as eu. Ah, un trou. Ah, okay. Voilà, il y a Mickey. Oui, il doit y avoir Mickey là. Ah, mais pourquoi tu tirais pas là? C'est pas un classique. Mesdames et messieurs, merci de conserver 1 mètre de distance entre votre groupe et votre groupe. Ah, ça j'avoue. Quand il y a Mickey, on regarde plus. Hein. À qui sera le plus près? Bon, bah, allez, c'est parti, on commence la journée. Allez, let's go. Yeah.
t'écoute des feignants. Faire un petit tour des Magic Shots là. Je ne le sais pas encore. Wow, c'est cool hein. Tu es arrivé juste devant le château. Au fait, on a réussi à avoir des tickets du premier coup pour le show du Roi Lion. C'est trop cool. En fait, les réseaux ouvraient à 30, 10h30 pour le spectacle de 12h30. Et à 30, au moment de réserver, en fait, il fallait activer la position du GPS, chose qu'on n'avait pas faite, et le temps de le faire complet. Je me dis, bon, on sait jamais, on essaye. Ça peut se libérer, parce que tout le monde essaie sur son téléphone, donc c'est une famille de 5 téléphones. Les 5, ils l'ont, ils vont lâcher des tickets quand même. J'espère. Et du coup, 20 minutes après, ouais, effectivement, on a réussi à avoir des tickets. Cool. Victoire. Donc à 12h30, on pourra montrer le show. Ouais. J'espère que demain, que ça sera pareil pour le show de la jungle. Et du coup, la première attraction de la journée. Moi, il y a qu'il est ouvert. 5 minutes, je crois. Ouais, profitons-en. 5 petites minutes. Allez, c'est parti. Pourquoi tu dis hello? Mais tu sais que c'est Walt Disney World. Allez, vas-y. Merci. Au revoir. Génial. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait une photo avec eux. Ouais, non, mais ça, je l'ai vu. Et si, mais jamais on a fait de photo avec. En fait, là, on est en train de faire le tour du parc pour se diriger doucement vers le spectacle. Donc, c'est dans une heure, mais le temps d'y aller, de faire quelques petits trucs en chemin. On arrivera parfait pour le show. Ah, il n'y a pas trop de monde, franchement, ça va. Mais les distances, j'avoue, les gens respectent pas trop. Hein. Au sol, les gens restent sur les carrés où justement il y a marqué ne pas rester. Ils se collent. C'est ça, hein. C'est soit ils restent sur les marques là, sur les carrés où il ne faut pas, soit ils se collent aux gens. Ça, c'est pas et dans le parc par contre, j'avoue c'est pas... Bah j'avoue même nous, alors nous les marques on les respecte mais à 300%. Par contre c'est vrai que quand là je vais passer à côté d'un groupe, non je vais pas me pousser en fait pour rien à un mètre, tu vois. Non. On passe tous les uns à côté des autres, ça c'est vrai. Mais c'est pas évident, tu imagines à chaque fois, mais tu fais 10 km en plus dans ta journée. Et là, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah allez, un autre point. Allez, on va s'y mettre. Parfait. On est installé pour le show. Ça commence dans un quart d'heure. On est trop bien placé. On est pile au milieu en fait. Et effectivement maintenant à partir d'aujourd'hui ça a changé. Ou hier déjà, je sais pas. Non, je crois que c'est aujourd'hui la première fois. Il n'y a qu'une rangée sur deux qui peut être occupée et toujours. Par contre ça fait deux fois plus de déchets. Ouais bah du coup moi je suis pas concernée là. Non, je suis pas concernée. Non mais franchement on est trop bien passé. J'ai trop hâte de le voir. Par contre je sais pas si on va vraiment filmer parce qu'on est déjà à court de batterie en fait. Enfin voilà. Allez, on va vous montrer quelques petites images quand même. Every man.
10. Parce que ça date là, ça fait 3 heures. Le Roi Lion, génial, très très bien. C'est un magnifique, magnifique show. Le louper surtout pas. Là, j'espère qu'on m'entend, il y a blindé devant. Mais alors, parle plus fort. Un conseil, si vous n'avez pas réussi à voir sur l'Inverti, de toute façon, essayez régulièrement parce qu'il y a des gens qui essayent à plusieurs. Mais je l'ai déjà dit ça. Oui, mais tu l'as dit avec. Sur Insta, mais non. Bon, en fait, réessayez souvent parce qu'il y a des gens qui lâchent leur ticket vu qu'ils en ont plusieurs pour la famille. Mais si vous n'en avez pas, essayez quand même. Peut-être pas le week-end, il y a peut-être trop de monde, mais en semaine, allez quand même devant la file. Parce qu'un casque nous a confirmé que des fois, il reste des places. Comme nous, à notre show, il restait au moins 50 places. Et donc, dans ces cas-là, ils vous laisseront rentrer à la fin s'il y a de la place. Donc tentez quand même parce que faut pas le louper, il est magnifique. Un spectacle de Broadway. non mais j'abuse pas, franchement il est magnifique. Il est oui, magnifique. Merci. Après sur le parking on a rencontré une famille qui nous suit, Baptiste et sa mère, ça nous a fait trop plaisir. Du coup si vous passez par là, plein de bisous, ouais ça nous a fait, ça fait très plaisir de vous voir. Et on se reverra à Bordeaux. Et sinon là. Eh ben on rentre au studio. On va faire un petit tour, de toute façon on va pas rester longtemps je crois, pour ce qui est au studio maintenant. Il n'y a plus grand chose au studio. Ah, et pour ceux qui ont suivi les histoires des jerseys corail, j'en ai trouvé un au Disney Fashion, taille S, donc c'est une palette. Je sais pas comment je l'ai eu mais il était là, il m'attendait. La tour il y a 5 minutes. On va essayer de faire un autre parcours que l'autre fois. Dans la tour, on est encore tombé sur la petite fille, je comprends pas, mais là la descente c'était une autre, moins bien. Et là, on va aller faire une photo avec Jessie parce que bah y a personne en fait dans le parc. Bonjour. Allez viens toi. Il est 16h, bon ça a été très rapide au studio. Hein. On a juste fait les boutiques et la tour et puis on rentre. Enfin on rentre, non on va à l'hôtel. On va à l'hôtel à 5 minutes d'ici, du coup on va vous le montrer. S'il y en a qui seraient tentés de le prendre. Et voilà. Ah oui parce qu'on a une réservation aussi à l'hôtel à 17h pour la piscine, parce qu'il faut réserver. Donc de 17 à 18 piscine, après... Et après, on va à Val d'Europe, non? Bah non, non, on va à Val d'Europe. Oh.
Ouais, ça pue pour nous. Mais vous remarquerez, on est le 21. On n'a pas annulé les vols. Parce que notre vol est conservé, au fait. Étonnamment, tous les jours je vais voir, je me dis, il va être annulé. Non, non, nos vols sont conservés. Et on n'a toujours pas annulé l'hôtel. Il serait peut-être temps de réagir. Non ? Tu vas voir, on va passer notre jour de départ, on va dire oh, merde, on a rien annulé, on a tout perdu. Parce que là, c'est ce qui se passera. On va vous montrer la chambre. Cette fois, je le fais bien avant que je m'étale, parce que moi, en 2 minutes, il y en a partout. C'est le... Ah, là. Ici. Hop. Hop. Bon, on va découvrir ça. Ah, la petite kitchenette. Attends, cette fois, je lui ferme pas la porte au nez comme à Disney. Attends, attends. Alors, petite kitchenette, du coup, je suppose qu'il y a frigo. Voilà, frigo et... Ah, mais t'as carrément les ustensiles et tout pour... Bien, bien. C'est bien. Baignoire, j'ai bien fait de prendre mes poules dedans. Tac, pas les toilettes sont au même endroit. Pardon, vas-y, va voir. Mais c'est pas poules de bain dans la piscine. Un miroir. Et là, la chambre. Oh, elle a d'une belle taille. Ça a l'air tout toutouille. Ouh. Attends, ça s'ouvre. Oh, il y a beaucoup de rangement. Franchement, il y a beaucoup de rangement. Tout ça, encore un autre miroir. Grande télé, grand plat. Est-ce que ça serait... Ah ouais. Encore. Bah, dis donc. On peut en mettre des affaires. Hein. Très belle chambre. Pas très... Oh, il y a un petit balcon. Ah, ça, je ne savais pas. Fais voir. Je sais pas où on donne. Ah, c'est trop pour moi. Moi, ça me fait peur. Je t'en fais ce moment-là. Comme ça. Voilà. Très jolie. Très, très jolie chambre. Du coup, c'est le relais spa de chez ici qui est à, j'enlève mon masque, qui est à 3 km de la, qui est à 3 km du parc. Voilà. Ah, maintenant, vous laissez parce qu'on va aller à la piscine parce que vous avez dit qu'on avait réservé notre créneau horaire. Je vais pas prendre la GoPro parce que j'ai peur qu'il y ait du monde en fait. Je vais pas filmer les gens. Je la prends si à personne je filme. On est prêt. Mais moi, j'ai pas mes chaussons de spa. Pas contente. Donc on filme à 18h vu que tout le monde doit partir. Là-bas vous avez spa et sauna, un bain à remous et là toute la piscine. Et donc pour l'instant le Covid c'est des plages horaires donc de 5 à 6, 6 à 7 et ils vont vraiment partir tout le monde donc c'est nickel. Voilà. Notre hôtel est juste derrière là, le bâtiment il y a le Fred Burger. Et en fait à Val d'Europe, 5 minutes à pied quoi, même pas. Non, la gare est là. Donc ça vous intéresse l'hôtel à 2 minutes, hein. Vraiment 2 minutes à pied derrière Alfred. Donc on va faire un petit tour à Val d'Europe, au Primark, et on ramènera à manger. En tout cas, chez ici, c'est une très belle ville. Bon, en tout cas, le peu là qu'on a vu. Oui. C'est tout mignon, ça nous change de la Belgique. Bon, on peut nous aussi faire des choses pour... Non, c'est plus joli ici. Il est 20h, on a fini le petit tour au Val d'Europe. C'était quand même la première fois qu'on venait en disant qu'on vient à Disney. Hein. C'est grand. C'est super grand. Ah ouais, franchement, c'est un chouette centre commercial. Du coup, forcément, Primark, puis Uniqlo. Et maintenant, on va manger à... Non, on va chercher pour manger. Ah, regardez, quand on n'est plus à Disney, on reste quand même assorti. J'en ai vraiment... Hein. Allez, bah, on va commander. Et ensuite, on se reprend dans la chambre pour manger. Attends, parce que du coup, j'ai vrai que j'ai pas filmé. Il va voir l'aller. Et voilà. Bon, je coupe parce qu'il y a blindé, hein. Et voilà, du coup on a été tester Big Fernand, c'est la première fois pour nous, du coup on a testé le Victor donc au bœuf et à la forme d'Ambert, non au veau et à la forme d'Ambert, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le Bartholomé, du coup c'est fromage à raclette, bœuf et tralali et tralala. Et les fameuses frites, il n'y avait pas ail fine d'herbe, non, herbe de Provence donc il n'y a que paprika. Alors on va tester ça. Miam 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 miam. Et voilà, on va goûter. Et en dessert, on teste chez Mon Chou. On a pris 3 bah, petits choux, un au caramel, un à la vanille et Marco un à la... Ça va pas toi? L'autre il nous sort comme ça d'un coup. Vas-y, rendors-toi. Je voulais en dire un.
Toste-en. Hein. Ouais, allez. Je vais tester d'abord le caramel. Vas-y. Alors ? Est-ce que ça vaut le prix ? Peut-être pas. C'était pas mauvais. Combien ? 2,40€, je crois. Ouais, je sais plus. C'est pas mauvais. C'est presque 7€ les trois. Voilà, mais 2,40€. Ça les vaut pas ? Pour moi, non. Tiens, goûte. Ouais, vas-y, fais-le. Ouais, donc c'est bon, mais c'est pas. T'en reprends pas, quoi. Tu passes à côté. Il fallait tester, il fallait, ouais, voilà, bah, fallait faire fait. Son avis. Voilà, tiens. Bon appétit. Et du coup, on se retrouve demain à Disney. Salut. Bah oui, salut. Demain. Oui, c'est ça. À demain. Salut. Salut. Et on se retrouve samedi 22 août. Il est 8h10, pile. Et on vient juste de quitter l'hôtel. C'est là. Bah pour rejoindre Disneyland Paris. Voilà. Par contre, ce matin, je pense qu'on va juste faire une matinée. Et après, on va rentrer. Hein. Bon, on verra de toute façon. Allez, ouais, on voulait... vous embarque avec nous. Je précise qu'on voulait faire le Jungle Book Live. Oui, le Jungle Book, mais il a été annulé. C'est reporté en fait. Tant pis, bah, y a une, la prochaine fois. Hein. On verra quand. Trop dommage parce que du coup, ça aurait été un combo parfait. Ça, on peut pas forcer les artistes à Ah non. On va rien changer du tout, nous. Donc voilà, regardez l'hôtel. Ah, donc il y en a qui ont vu sur la tour. Vous voyez la tour, hein ? C'est en arrière. Ah ouais. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment à côté. Hein. Et on serait pas feignant. Tu prends le petit chemin, en 10 minutes, t'es au village. Hein. Aussi. Ouais. Eh ben allez, c'est parti pour la journée avec nous. Ah, le matin ils mettent pas Mickey hein. Dernier jour. Ah mais si ils sont là. Ah c'était le changement alors déjà. Vas-y, Sui, je te rejoins. Mais attends-moi. Attends. Hein? Pour la clé Stitch qui sort aujourd'hui, mais ça va, on a une belle vue, il fait beau. On va attendre une heure. Il y a pire. Du coup il est 9h08, la vente devait se faire à 10h, mais comme ils veulent éviter au maximum les rassemblements, ils ont commencé en fait la vente directe, donc on est déjà sorti. Et voilà la petite merveille, vas-y ouvre. On voit rien en caméra. Attends. Bon bah c'est Stitch quoi. Voilà, donc là je ne pouvais pas passer à côté de Stitch. Non. Non, j'ai pas fait exprès, hein, tu vois. Je suis pas fanatique. Notre carte bleue aurait bien aimé que tu passes à côté de Stitch. Non mais ouais, c'est vrai ça, mais franchement elle est belle. Il y a peut-être trop de reflets mais elle est vraiment jolie. Donc voilà. Donc il est 9h, c'est cool, on va profiter du parc.
Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. On s'envole vraiment cette fois. C'est trop ballon. Bonjour. Allez, on enchaîne. Pour le train de la mine avec 5 minutes. Pour le show du Roi Lion. À défaut de pas voir Jungle Book, et ben on retourne voir le Roi Lion qui vaut encore une fois le coup. Ne loupez pas, franchement. Bye bye, bon appétit, Choubi. Bon, deuxième victoire, on a pu avoir un ticket. Par contre, maintenant ils ont changé. Ou alors c'était déjà comme ça, mais nous hier on n'a pas eu ça. Quand on a notre ticket, ils te demandent à quelle heure tu vas arriver au théâtre. Midi 5, midi 10, midi 15. Et on choisit, c'est peut-être pour fluidifier encore plus. Donc je ne sais pas si c'est nouveau d'aujourd'hui. Mais nous, hier, on n'a pas eu ça. Mais comme on a eu le ticket 20 minutes après, donc je ne sais pas. Et donc, on verra pour la deuxième fois. Vous voyez, midi 5. Il n'y a pas avant, ou alors tout était pris, je ne sais pas, mais... Donc c'est cool. Et cette fois, on filmera le show en entier, si on est bien placé comme hier. Hier, c'était génial. Et comme ça, on mettra le spectacle en entier sur le... pour ceux qui ne pourraient pas venir ou autre, sur notre page des Choubi. Voilà. Et bah, du coup, maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il disait Rémi. Ah si, on va aller faire un cours du Space Mountain, Star Tour. Et après, on se dirigera doucement vers le théâtre, hein, du côté de par là-bas. Allez, bah, on continue. Voilà, Space. Bonjour. Bonjour. Pour 10 petites minutes d'attente. Ça va? Ouais. Bon voilà, on quitte le parc principal. Bon, encore une fois, allez voir le show. Hein. On était encore trop trop bien placés. Du coup, on a filmé l'entièreté cette fois. J'avais plus de bras, j'avais plus de mains, ça crispait. Heureusement qu'il y a un bon stabilisateur, sinon on m'aurait tremblé, j'en pouvais plus. Mais du coup, on a fait l'entièreté du show. Comme ça, ceux qui peuvent pas venir, malheureusement, ou qui n'arriveront pas à avoir de place, bah, vous pourrez le voir. On va mettre le lien... par là, allez-y, c'est juste magnifique. Donc là, on quitte le parc et on va au studio faire une photo. Enfin, une photo qu'on n'avait pas encore fait. Et puis, on va rentrer, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. On va rentrer en Belgique. Bon, du coup, on va se quitter maintenant parce qu'on a voulu aller faire la photo avec Mickey et Cendrillon et la marraine. Pardon. Mais en fait, c'est pas toute la journée, c'est à certaines heures et là ça réouvre à 14h45, il est même pas 13h30, donc on va partir. Voilà, c'est l'échec total. Après, juste à côté, il y avait Sully,
On va. Non, 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 il va partir. La queue, elle est fermée. Bon, bon, bah, et qui d'autre? Non, bah, il n'y a rien en fait, on s'en va. Donc, bon, on va se quitter là, on va pas montrer la route. Ça ne sert à rien. C'est toujours le même chemin hein, pour rentrer chez nous. On se retrouve, tours, hein. Je sais pas quand. La prochaine fois qu'on va à Disney, mais je ne sais pas quand, ça risque d'être dans longtemps. Pour le 9 septembre, pour notre départ, ça risque d'être très compliqué. Il risque pas d'y avoir de départ. Donc, bah, peut-être en 2021. Non, ça, si ça tout va sûr. Bien. 2021, c'est sûr. Non, c'est pas sûr, mais ça va pas ou quoi? Si, c'est, pas sûr, ouvert. C'est, ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et toi, c'est oui, sûr. Bah, oui, oui, c'est sûr, t'as raison. Hein. Ils vont devoir passer, ils vont dire, ah oui, toi, vas-y, t'as le droit d'y aller. Ça serait tellement beau. Donc, bah, à bientôt. Ouais, dans très longtemps, j'espère à bientôt. Oh, le 9, ça serait tellement beau. Bon. Avant, j'étais optimiste. Mais non, j'avoue, maintenant, moi non plus, j'y crois plus. J'y crois plus, mais on a rien annulé. Hein. Cette semaine, il faut. On sait essayer. Jamais, on sait jamais. Non, mais cette semaine, il faut essayer, parce que moi, j'ai aussi mon Esta, donc. C'est vrai. De toute façon, pour l'instant, tu n'auras pas. Allez, et ben, à très bientôt. Encore merci de regarder nos vidéos, ça nous fait super plaisir. Et voilà. Donc, plein de gros bisous. Salut. Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here loved to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you. And it's not very hard to see why. No one's slick as Gaston. No one's quick as Gaston. No one's neck is incredibly thick as Gaston. But there's no man in town half as Dick or Stanley, and they'll tell you whose team they prefer to be on. Who plays darts like Gaston? Who breaks hearts like Gaston? Who's much more than the sum of his parts like Gaston? As a specimen, yes, I'm intimidating. My, what a guy that Gaston! I needed encouragement, thank you, LeFou. Well, there's no one as easy to bolster as you. Too much? Yep. No! I sneak up with my quiver. Ooh. And beasts of the field say a prayer. First I carefully aim for the liver. Then I shoot from behind. Is that fair? I don't care. No one hits like Gaston. Matches wins like Gaston. In a spitting match nobody spits like Gaston. I'm especially good at expectorating. 10 points for Gaston. When I was a lad, I ate 4 dozen eggs every morning to help me get large. And now that I'm grown, I eat 5 dozen eggs, so I'm roughly the size of a bull.